Maintenant, viens me remplir parce que je me vide parfois. Mais je désire encore que tu viennes me remplir afin que je puisse te voir, Seigneur, afin que je puisse t'entendre, Seigneur, que je puisse parler comme toi, que je puisse agir comme toi, que je puisse prier comme toi. Dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec un verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Yes, merci. Le mariage est un lieu sacré. Je demande si vous m'en êtes. C'est la loi. La loi divine magnifique. Qui a reçu le témoignage du ciel et de la terre. Ce soir, merci ma fille, merci infiniment. Merci ma fille. Merci. C'est un an au premier réveil de la conscience sous les bénédictions divines dont ils étaient comblés. Voilà. Merci d'honneur.
chinaillerie de la guerre. Prospère, cher nom, au nom mille quatre. Ils ont tiré un tas de pain. Mais c'est l'amour. Voici Rose de Merceau et cher du marché. C'est pourquoi l'homme qui fera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. C'est dit le Seigneur. Bravo, merci Chanson. Merci. Il s'agit de Mathieu Grégoire et Michel-Claude Jean. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble. Mathieu. Pouvez-vous bien l'appuyer, Mathieu? Yeah.
terre que l'amour est autre. Seulement Dieu pour tâcher de connaître de David, c'est pas. Et s'il est appris, parfaitement bien. Yes.
détruit. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Et félicitations, mes amours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que le Dieu tout puissant soit le centre de votre mariage. Merci. Que le Saint-Esprit de Dieu capable béni ou soyez fertile, ma fille. Que le Dieu de Chadrach. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, Angelo. Merci, merci. Maintenant, on va céder le micro à notre révérend pasteur Ismaël Aguerre dans la dernière publication. À la gloire de Dieu. Pasteur Ismaël. Merci, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, jeudi, 1er août 2024, nous sommes à la mission de l'Église des Dieux et de la Révélation en Christ pour célébrer l'amour de notre bien-aimé frère Dorilas Angelo et mademoiselle Marie-Jessica Revenge. Pour cela, leur fils dit conjoint. Est-ce qu'il était moins prié de prendre la position verticale ici? Ainsi que le futur marié. Le mariage avec le frère Angelo Dorilas et Ravaillon, 5e section Unica, le 21 avril 1995. Profession technicien en mécanique, âge majeur, domicilié Ravaillon, 5e section Unica, prolongé. Commune de Cavaillon. Fils de Félix Dorilas, décédé. États-Unis, profession journalière. Stipulant pour lui et en son nom personnel. Et les mademoiselles Marie Mara Jessica Revenge, née à l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie le 10 décembre 2000, profession sciences infirmières, âge majeur, domicilié, cadette de l'ambitoire prolongé, commune de Grissier. Fille de M. Jean Prosper, Revenge, vivant, domicilié Jérémie, profession journalier. Et de la dame Saint-Louis, Marie Carole Vivante, domiciliée, cadette l'emploi prolongé. C'est bien pour elle et à son nom personnel. Si quelqu'un connaît une cause ou un empêchement légal à l'union des chefs des personnes, il est prié de nous en faire part avant qu'il ne soit trop tard. C'est ici la dernière publication. Le mariage sera célébré à la mission de l'Église des Juifs de la Révélation en Christ. C'est jeudi 1er août 2024 par le révérend Smile Laguerre. L'Éternel je s'est dit, il n'est pas bon que l'homme est seul. Je vais lui faire une tête qui pourra comme partenaire. Alors l'Éternel je fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, l'Éternel fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria : voici cette fois celle qui est proche de mes os et chère de ma chair. On la nommera comme. Car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous les deux. Un seul être. Frère Angelo Dorilas et mademoiselle Mara Jessica Revenge, je vous sauve et je vous adjure tous les deux, comme vous allez vous répondre au jour terrible
tout jugement. Si l'un ou l'autre de vous connaît quelques justes empêchements à ce que vous puissiez être légitimement unis ensemble. Et le déclarer maintenant, car soyez bien assurés que si des personnes sont unies autrement que la parole de Dieu le permet, leur mariage n'est point légitime. Frère Douglas Angelo, mademoiselle Mara Jessica Rivage, nous sommes assurés que vous êtes ici ce soir pour confirmer et célébrer une décision mûrement réfléchie pour marquer une nouvelle étape dans votre vie d'homme et de femme et pour accomplir un vœu divin. Alors, de votre vie conjugale, nous voudrions soumettre à votre réflexion cette pensée d'Aristote. Celui qui a lancé une pierre ne peut plus la reprendre, et cependant, il dépendait de lui de la lancer ou de la laisser tomber, car le mouvement initial était en lui. C'est d'une manière solennelle qu'aujourd'hui vous allez déclarer devant Dieu, devant vos parents, devant vos témoins, que vous vous prendrez pour et pour toute la vie. Rappelez-vous que le mariage est un engagement total de toute la vie. Que le mariage est aussi un défi à relever, un pari à gagner, un projet à réaliser, une tour à bâtir. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. Puisqu'aucune objection n'a été opposée à la cérémonie nuptiale de notre bien-aimé frère Angelo Douglas et mademoiselle Jessica Rivage, je vous déclare la cérémonie est ouverte. Merci, la soirée. Faut qu'il sait, alléluia, gloire à Dieu.
Yeah.
Je vous invite à notre frère Diaco Castor Emile. Alléluia! 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 La tonto du qui a vraiment le passant terrible pour vous chier, qui a terrible pour vous coûte, arrive à me parler en tout ramalouet. Pour la prière à la gloire de Dieu. Notre Père, Papa, nous qui dans le ciel là, nous implorons dans le Seigneur qui grandit de l'orange, digne de toute adoration. Nous bonne gloire, Seigneur, pour tout son lié, son fait. Ça va continuer à faire dans la vie de chaque jour. Merci Seigneur pour la grande opportunité ça, que nous avons donné ça pour nous chaque pour nous capables réellement présents pour un si grand événement. Déjà nous présenter dans le cabaret de grâce, c'est Dieu, jeune Jessica Mara. Et les frères Angelo, Seigneur Dieu, qui viennent matin hein, pour être capable d'engager yo dans le lien sacré du mariage. Seigneur, nous connaissons route ça que vous tracez depuis dans le jardin d'Eden, que vous êtes chaque garçon, et pour être capable de choisir madame yo et mesdames yo capable de choisir monde pour marier yo et que yo chaque monde ça yo yo doit devenir. Il y a deux âmes et vous venez faire un seul. Déjà, Seigneur Dieu, nous connaissons la route là, n'est pas facile. Et pour quel que soit le monde qui est entré, Seigneur Dieu, non, n'est pas ça. Mais nous invitons au matin, hein, depuis la cérémonie, ça, Seigneur Dieu, vous capable de venir en aide. Seigneur Dieu, venez au secours, Seigneur, de jeunes, ça y est au matin. Hein. Qui venit, Seigneur Dieu, pour une fête tout à fait spéciale. Nous voulons accomplir, Seigneur Dieu, vœu divin, que vous faites à la femme, que vous faites avec Adam, avec Ève. Nous voulons mettre en application, Seigneur Dieu, Ève ça. Mais vous n'avez pas qu'à faire sans vous. Vous n'avez pas qu'à faire sans vous, pas une assistance. Et sans vous-même, Seigneur Dieu, c'est un échec total. Sans vous-même, c'est une défaite capitale. Mais avec vous-même, peu importe la chance à y, nous pourrions réussir. Nous invitons à venir prendre place au Seigneur Dieu dans la cérémonie avec chaque monde, Seigneur Dieu, qui sous conduit nous. Chaque monde qui a fait un bagage dans la cérémonie, ça, soit prière, soit la lecture, soit la prédication, soit pasteur célébrant et même les jeunes. Et les témoins, on est venu au Seigneur Dieu dans ta barre de grâce. Que vous pouvez servir ça, Seigneur Dieu, comme un moment spécial pour faire propre volonté au passé dans la cérémonie. Que tout ça qui parle de nature glorifié au Seigneur, nous déclarer au marché tête en bas et au père du bataille. Que vous-même seul capable, Seigneur Dieu, comme une opportunité pour chaque monde et pour être capable de joindre. Vous pouvez marcher avec vous. Papa, nous prions. Même si on te fait pour les jeunes dans notre canal. Seigneur Dieu, vous te manquez divin vous-même. Nous ne connaissons pas qui ça se m'a manqué. Nous ne connaissons pas qui ça se Dieu a manqué. Mais présence au Seigneur Dieu, ça signifie tout pareil pour vous. Et c'est ce que, pour moi, ça, il va en vain. Et la vie va encadrer. Par grâce, et on va toujours joindre nos chemin pour faire route avec nous. Nous prions comme ça, Seigneur. Non pas parce que nous méritons ça, mais nous prions dans le nom de Jésus. Lui qui vit le Seigneur. Pour la lecture de la parole de Dieu, pour la sœur Naomi Laguerre, qui a passé la lecture de la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5. Verset 22, on a terminé dans verset 3. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint en et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ en les fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que bon Dieu bénisse par ça pour l'édification comme chaque monde qui t'attendait, et spécialement pour les maris. Amen. La mission de la femme, c'est soumise. La mission de l'homme, c'est aimer vos femmes. Ça, c'est une prescription qu'elle dit. D'accord, c'est marrant. D'accord? Je souhaitais que vous entendez par moi ça. Et maintenant, on va passer dans l'autre partie, qui est la partie musicale. On va parler avec Chorale, les Sumets, capable de passer pour en tournée pour les futurs mariés. Donc, pensez que vous avez des conseils. J'ai baisé bien et par tes lois, j'ai baisé m'instruire et apprendre à partager l'amour même à ceux qui ne savent pas. La rue comme ça, et nous ensemble faisons pour nous porter solution sur ça. Vas-y, n'aille à faire du bouteille pour faire des bagailles. On est bien l'amour pas ta belle, sinon de pas ta fait un sel. On est bien l'amour pas ta belle, sinon de pas ta fait un sel. Dans ma demeure, il y a toujours des souffrances et des douleurs. Il faut apprendre à prier de Dieu, il est l'unique solution. Il faut apprendre à prier de Dieu, il est l'unique solution. Nous avons un problème parcourir, faire la rue comme ça. Et nous ensemble prenons pour nous porter une solution sur ça. Quasi n'aille avec une bouteille pour faire des bagailles. Qu'on est bien l'amour pas ta belle, sinon de pas ta faire un seul. Qu'on est bien l'amour pas ta belle, sinon de pas ta faire un seul. Doumez à vos maris, selon l'ordre du Seigneur. Bye.
courir, faire la réponse ça. Il est nous ensemble pour nous porter des solutions sur ça. Par le final, il y a fait du bouteille pour le faire, on fait des bagailles. On est bien l'amour, pas ta belle, si nous ne pas ta faire au ciel. On est bien l'amour, pas ta belle, si nous ne pas ta faire au ciel. Donc, vous méritez ça. Monsieur, et monsieur m'a besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Vous chantez très bien, monsieur. Vous êtes dans le studio. Bien, maintenant, on a accès de micro avec le pasteur Smaïl Aguel, qui va faire les engagements. Nous allons laisser bien sûr les grâces pour l'après-midi, là. Que nous présente dans ce monde. Aussi à notre bien des frères Angelo. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Et puis dans le jardin d'Éden, pour un garçon et une fille, il faut qu'il passe par le mariage. Et pour une fille et un garçon, selon le dicté de la Bible, il faut le passer par le mariage. Et j'ai connu Jésus qui pouvait marier son réalité pendant le parcours du ministère de l'Esprit. Pour qu'il y ait assisté à la cérémonie comme ça, à Cana. Galilée. Bien. Pour les moulins, c'est le Seigneur. Priez, c'est mettre le monde. Avant, on va aller plus loin. C'est-à-dire, à chaque jeune qui a suivi ce qu'a fait là, on a souhaité nous marquer l'histoire de la vie. On a souhaité nous marquer l'histoire de la vie. Suivez bien pendant que. Alors. Frère Dom, il a pas rencontré ce maga pour prendre un bois. Maman, regardez pour vous. Qui grand travail, chef suprême n'a fait. Amen. Chef suprême n'a pas testé ça dans n'importe quelle condition pour visiter un monde comme ça. En cérémonie comme ça. Bon Dieu bénis. C'est parce que les conditions sont réunies. C'est ma condition là. Quand j'ai l'autre condition pas réunie, mais voilà. La jeunesse marquée, c'est pour ça que je campe. Oh, je vous bénis, les jours de vie. Vous délibérément vous engagez. Et la première et la plus vieille institution établie par Dieu, le créateur au début de l'humanité, et régie par la législation haïtienne. Jésus-Christ a honoré cette institution de sa présence au nord de Cana en Galilée, où il a accompli son premier miracle. L'apôtre Paul, à travers ses épîtres, met en évidence la respectabilité et l'honorabilité du mariage. C'est pourquoi il importe que vous vous pénétriez du sens profond et des implications sérieuses de l'acte que vous posez aujourd'hui. La parole de Dieu déclare préemptoirement, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir après avoir fait un vœu. Proverbe 20, verset 25. Le mariage est une communauté de vie. Vous vous devez mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Que vous respiriez la crainte de Dieu et que vous fassiez preuve de sagesse, de patience, de tempérance et de maîtrise de soi. Une fois encore, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés dans ce sanctuaire pour en présence d'Akaï.
On y a un fleuve, mais des fois, quoi, la même soeur. Faut-il pas? Les garçons sont où? Prima. Oui, il y a un peu de quand même. Et je dis à Fonny Minas. Car le colonel, il y a un peu de mal à il s'en ramène. Et s'il me révèle. Je dis à vous-même qui fait la petite la calme. Comme dit le petit, le petit garçon, ça dit, vous savez, je sais pas. Je dis à Mbaoul, la main. Et vous dites là, et vous dites là, la montagne. Oui. Mbaoul accouche pas. Mais Mbaoul, il va tout assembler. C'est ça, maman, qui vont dire. Si pas de cauchemar, on s'agit de tout, pas de monde qui manque. Faut que tu soulevais mes doigts, toi, excusez-moi, un petit moment, levez mes doigts, toi, mon petit moment. Quand même pas le péché, ma petite ça. Ok, c'est la petite, mes doigts, toi, là. Levez mes doigts, moi, c'est un cauchemar. Au revoir, adieu. On va laisser, on va même ça. Faut que tu tires dans le bois, là, pour là. Yes, ok, il a. Faut que tu tires gauche, moi. On va dire la vie, pas gagner, on va laisser une problème. Ça veut dire que pourquoi le Seigneur va quitter sa vie? Le Seigneur va quitter sa vie, son amour est fini. Mais en cas d'accident d'infimité, quoi, sous sa plutôt. Gloire à Jésus. Il y en avait l'autre. Pour un qui avait bien, j'ai été pas vouloir qu'on avec moi. Ok. Moi, Angelo de Willans. Moi, Angelo de Willans. Je te prends en mariage, je suis carré revanche. Pour ma femme et mon épouse légitime. Et mon épouse légitime. Je promets au devant Dieu que je te garderai des eaux aujourd'hui. Je promets au devant Dieu que je te garderai des eaux aujourd'hui. Dans les bons et dans les mauvais jours. Et dans les mauvais jours. Dans la prospérité. Dans la prospérité. Et dans la détresse. Et dans la détresse. Dans la santé. Dans la santé. Et dans la maladie. Et dans la maladie. Je promets de t'aimer. Je promets de t'aimer. Et de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous l'applaudissement du public. D'accord, c'est moi pour le plein. Merci à la parmi nous. Alors, nous sommes parents, on est là, on est vrai. Si tout le temps, mais tout maman, on va là. Bon maman. En absence, maman qui est à Zélie, bon maman. C'est lui qui va lui déposer. Alléluia. Nous va laisser un blâme. Difficulté de l'église là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Écoutez, nous, les frères, nous, frère Angelo, Douglas, et ce mariage, Jessica, qui est déjà à Genève et ma côte de nuit. Quel que soit porte qui démarre, quel que soit chaîne de t'enchaîner, nous brisons les chaînes, nous passons code sous l'autorité divine. Et nous vivons ensemble, nous allons vivre au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur avec vous. Amen. Angelo, qu'est-ce que vous voulez lever? Thank you.
qui dit fera, il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Abondamment, il a le feu, et tout ses faits. Il a dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Je le vois, c'est Dieu aussi. Je le vois, que tout est possible avec Dieu. Alors, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il veut faire tout ce qu'il veut. Oui, il veut faire tout ce que vous voulez. Alors, petit, chante. D'accord.
publications du nouvel état des époux. Les publications de ce mariage ont été faites conformément à la loi et aucune opposition n'a été signifiée à la question s'il consent à ses preuves pour époux M. Angelo Dorilas et Mademoiselle Mara Jessica Rivange. On répond chacun séparément et affirmativement en présence de Dieu et de cette assemblée. Ils ont fait une démonstration de leur alliance en honneur et en enrichissement des anneaux. Moi, en vertu de l'autorité qui m'est conférée, étant prévu de l'évangile et conformément aux lois de la République d'Haïti, je vous déclare mari et femme. D'accord. Présentation du nouveau couple à l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau couple, Monsieur et Madame. Monsieur Douglas Angelo, embrassez Mara Jessica. Douglas avec une de ses trains qui se met. Pour jamais. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29, selon la Bible, deux mondes qui marient ensemble, c'est la mort. Vous séparez. 1 Corinthiens 7, verset 29, quel est ce que vous avez. Je t'aime pour tout ce que tu es, tout ce que tu m'apportes, tout ce que l'on sera. C'est à tes côtés que je me sens le mieux. Tu n'imagines pas à quel point. C'est le bonheur de partager de ma vie à tes côtés. Merci Angelo d'être entré dans ma vie. Angelo, c'est tout ça me parler. Bon pour moi. Si papa et maman ne pas te faire, moi t'as demandé mon Dieu pour m'aimer. C'est de la part de Mara à Angelo. Entendez ça, Angelo Di Mara. Ma amour, mon amour, ma déesse, mon verset biblique. Tu es la personne la plus importante de ma vie.
Ta présence me rend heureux. Ta tendresse me reconforte et tu es là si belle. Chaque jour, quoi que tu l'en dises, je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés avec toi. Je l'ouvre Manou, je me sens aimé et soutenu. Manou, l'aime pas qu'on connaît, la vie est sale. La vie est en désordre. Mais effectivement, je viens de faire apparition ma mère. Tout ça qui est sale, mais pour tout ça qui est en désordre, il m'a donné. Où c'est sauce? Où c'est sauce tomate sous spaghetti? Parce que pas besoin de fourchette pour manger. C'est le matin. Angelo, maman. Maintenant, qu'on me font pendant que vous attendez le message de la parole de Dieu, pendant le Saint-Esprit va parler avec couple-là. Et tu barres dans le cœur pour couple-là. Il n'est pas aussi facile lorsque le jeune prend l'initiative pour entrer dans le lien du mariage. Mais nous pouvons demander le Saint-Esprit de Dieu pour être capable de passer par notre révérend pasteur Ronel Dolly. Lui est capable de porter des conseils pendant que notre frère Manuel Wilfried va passer pour prier pour le message. Père en Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur pour grâce, pour amour, pour fidélité envers nous Seigneur. Du fait que dans un moment ça, Seigneur Dieu, nous sommes capables de réunir dans une si grandiose, dans une si belle ambiance et ambiance Seigneur. Et côté des jeunes qui d'accord, Seigneur Dieu, pour qu'ils soient capables de nous dans le lien du mariage, Seigneur, nous demandons, Papa, on va avec vous, même j'étais avec vous depuis le commencement et pour jusqu'à ce moment, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, côté révérend nous, Seigneur Dieu, qui pourra le camper, Seigneur, pour le parler parole nous. Et côté pour apporter des conseils à des jeunes, ça y est, Seigneur Dieu. Nous demandons, Seigneur Dieu, on va mettre l'esprit au. Et en captivité, on va mettre l'esprit en action, Seigneur Dieu, pour être capable de recevoir la parole. Et comme ça, Seigneur Dieu, la parole va être. Et non seulement pour connaître, mais pour à l'avenir, Seigneur Dieu, pour petit Dieu. Et Seigneur Dieu, nous remettons comme ça dans la main. Et on va attendre la parole, Seigneur Dieu. Et comme ça, il va mettre en pratique. Et comme ça, il va servir jusqu'à l'instant et pour l'éternité. Parole du Seigneur Dieu. Père de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Bon Dieu béni. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que je suis très content et puis très étonné. Et puis vraiment, bon, je ne sais quoi dire. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un jour exceptionnel. N'est-ce pas vrai, Thierry? Et ce qui me rend un peu content, c'est ce feuillet-là. Le mariage est et restera l'ouvrage le plus important que l'homme puisse entreprendre. Moi, je m'ai pensé, un voyage. Le voyage, c'est le mariage de Mara et de Angelo. Angelo, je les apprécie fortement. Et je veux reprendre un mot en une phrase de Galassène qui dit « L'amour tout union du cœur et de l'esprit a besoin de temps et d'épreuves pour être durable. » Tout amour est un processus. Un processus qui s'accomplit dans le temps. Ce soir, je suis tellement content, je ne sais pas où commencer. Mais je vais laisser parler mon cœur. Je me rappelle lorsque je devais me marier. C'était 16 décembre 95, à la rue du centre, moi-même avec
mademoiselle ça, nous t'a pas mal. Ou qu'on ça qui est intéressant dans le mariage là, c'est pendant que nous sommes dans le mariage, pour ça, bon monde qui est rempli du Saint-Esprit, il parle en d'autres langues, et il paraît sous moi, il dit en veille de ma case de mariage là. Dans le temps l'église, là, dans tout le monde, il campait fin par l'autre, il dit en vérité, oui, même si je m'en casse, moi. Je ne pas dire, je ne peux pas dire. Le jeu des complots, vous êtes maintenant sous l'effet du complot satanique. Et que plus jamais, tu ne dois baisser la tête par devant celle. C'est galop. Ils sont là. Ils ont en pile. Ils ont saisi. Les interdits que Dieu m'a où? Regardez-vous. Et c'est ça que fait pasteur à remplir son monde. Je devais présenter le module de mon message sur le temps. Sur le temps, en tant que véhicule nous permettant d'aboutir à quelque chose de très spécial. Et pour bien dire, je dis que chaque fois qu'on parle du temps, il est question de croissance. Il est question de responsabilité. Il est question de transformation. Il est question de maturité. Tout doit se faire dans le temps. Dans le temps. Parce que Dieu l'a créé pour nous autres. Véhicule de l'appréciation, de la satisfaction, du regret et même de certains jugements. Le temps, en tant que véhicule, exige pour ce couple ce soir quelque chose de très spécial, le respect. M'a dit ça, et avant pour un respect, m'a dit ça à tout le monde qui marié dans le couple. Le temps, c'est l'usure aussi du mariage. Ce n'est pas des gens qui marient qu'on y a qui dit madame, yo, mari, on n'est pas de parole. Ou même, bon, moi même. Ouais, Robert. Il est clair que l'homme marié, marié pour la vie. Et ou respecter dame pour la vie. Ou respecter monsieur pour la vie. Et regardez, c'est un piège, les qu'on commence, ouais, ou pas gain mari ou respect, ou pas gain madame ou respect. Angelo, ma, le respect, son petit plante, chaque jour le matin, un petit bisou, ou arroser. Et l'homme a osé respecter pour après le même dans la journée. Pas de sueur. Pas de bisou. Quand il y a des choses qui vont manquer. Et c'est ça qui fait que moi, je dis ça pour chaque monde qui est dans l'église qui est marié. Cultiver le mariage. Pas comprendre 20 ans, 25 ans, et tu te permets de faire quoi que ce soit. Ce que tu veux. Non. C'est toujours en tête à tête. Amen. Moi, conseiller ça. D'autant plus, nous n'avons pas fait mariage pour mariage ici. Nous marions les chrétiens. Amen. Les chrétiens. Nous avons un bon feeling pour les pasteurs. Parce que vous connaissez quelqu'un qui joue ping-pong dans la figure.
Vous songez, il a invité à prêcher dans l'église. Mal prêché dans l'église, moi, je n'ai pas de parole, ça se fait dans mon chemin. Il dit, l'église, c'est qu'il y a des battes pas dans l'eau. Pas de l'eau, comme on dit, chut, 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 20 jours. Voisinage, je connaissais pas ce que vous avez. Chut, chut, chut. Voisinage, je connaissais déjà mieux. Chut, chut. Regardez, je m'a prêché, je ne suis même pas habitué à prêcher dans l'église, c'est pour être venu prêcher dans l'église. Oui, pasteur. Parce que la campagne dit mal à Jean Cochin dans l'église. Parce que le pasteur a pris tabasser madame. Il t'appelle le tch. Et puis il dit son monde qui déroulait du coup d'agabon. Mara, Dieu ne m'avait pas demandé. Pas je me suspendu, monsieur. Et quand tu le fais, tu as compris la loi de Dieu. Pendant que Dieu te demande de te soumettre. Amen. La soumission que tu dois à un Dieu, c'est une soumission volontaire. Et puis par amour. En pile, on soumet par exigence sociale. Amen à l'église là, là. Moi c'est Jack. Moi c'est Diagonèse. Et puis le campeur, il garde une dame, il garde une dame, il garde une monsieur, il dit, il n'a pas dit quelque bagage. Non, non. Pour la vie. Ouais, j'entends monsieur ça qui a parlé là. Parce qu'il faut mettre des cordes pour monsieur. Monsieur chaud. Monsieur en pile. La Bible dit que fille doit soumettre. La Bible dit que fille doit soumettre. Mais il dit, négla, faut qu'il y ait. Regardez, c'est tout deux bagages, ils ont dû en pile. Regardez pour elle, regardez. Dame dans le campé, et puis, chérie, et Koto, ouais. On parle de chemisette là, non, quand tu es mettez là. On a pour lever, pour la chercher, quand tu es mettez là. Ou pas, chercher, non. Non, 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 non. Une soumission volontaire. C'est qu'on s'en servit, mon Dieu. Ouais, l'on observe, monsieur, c'est mon Dieu, c'est lui. Et l'on aime, monsieur, les messieurs aimés, on sait pour dire l'aimé. Amen. Amen. Ben, les messieurs aimés, amen. Et c'est ça. Dans le texte Éphésiens chapitre 5, mon verset, il commençait à partir du verset 22. Nous sommes lus. Mais, l'on allait dans le verset 21, c'est là, négocier en chita. Soumettez-vous. Les uns les autres. Amen. Avant Frère Angelo, vini ma Marie, son croyant, son chrétien, amen. Avant de venir madame, ni où sont, on croyant. Ça veut dire, en tant que croyant, nous devons soumettre nos yons. L'homme a dit, fait, monsieur, vini, calé, banane, amen. Relève. Relève, dis, regardez, vite, carré, maintenant. Et c'est yon l'homme. D'accord, bonjour à vous. On l'a pas qui gagne que le mariage a crasé souvent. C'est mesdames, on l'a commencé à gagner 10 ans, 15 ans de mariage. Et puis, libido a commencé à baisser. Et puis, chaque fois que monsieur a ta fonti parler. Qui t'a parlé comme non? Ou bien, dame n'a pas passé. Maintenant, on nous non. Angelo, ou pas rien comme bon non? Tout corps gagné, c'est pour mal. Applaudis, jean Angelo. Angelo, est-ce qu'on est d'accord?
Oui, oui. Mara. Mara. On va préférer rester encore en bonne année. Tout est arrangé. Amen. 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 Conseil que m'a porté, et m'a porté seulement pour Angelo, pour chaque monde qui est là. En pile, monde qui est marié ici, Mario, mesdames, c'est pour les petits garçons. Pour les petits garçons. Comme si, ils viennent passer l'autre temps pour essayer de prendre les petits garçons. Regardez, il est le chef du foyer. Vous devez le respecter. Ce n'est pas. C'est un combo vous semble. Et vous venez de l'imaginer. Je vais chercher un baron. Oh, à qui est-ce qu'on parle? Il te faut du respect. Je ne dis pas parler pour Jérusalem. Je ne vais pas parler pour Mara seulement. Je vais parler pour un pile monde qui est marié là et puis marie ce petit garçon pour un petit garçon. Et un pile madame qui est là qui est mariée au palavé aux gens. Tant pis. Tant pis. Là, on parle d'exigence, le temps. Il m'a dit exiger pour respecter. Il y a un bagage que le temps fait encore, il exige un bagage que vous avez la compréhension. Si vous ne comprenez pas Angelo, vous n'avez pas de problème. Si vous ne comprenez pas Mara, vous n'avez pas de problème. Et c'est mieux ça que le diable y joue là-dedans. Vous comprenez? Pas qu'on foyer qui là, qui pague des interdits. J'ai une barre fait ça. Je ne suis pas d'accord ou pas nous couteau pas dit. Je ne suis pas d'accord qu'on fait tel bagage. Si on fait quelques jours avec ma langue, mon aimé, attitude mal. Elle se comporte en femme mature. Elle ne se laisse pas entraîner. Il paraît qu'il dit, oh, il t'a bagaille, mais ça, qu'elle consomme. Puis c'est fini. Et Angelo même, il est le même cadre. Et c'est ça qui fait, moi, j'aime le couple. Parce que ce matin, moi, j'aime le couple. Regardez. C'est bon, c'est pour moi voler. C'est pour moi voler. C'est pour moi voler. Et le travail, c'est ça. Le travail, c'est ça. Moi-même, je suis simplement conseiller. Et dans la compréhension, quand ça va passer, il faut qu'on comprenne nous dans la prière. Il faut que nous comprenions la consécration. Parce que si vous ne pas comprendre nous, regardez, vous ne pouvez pas venir au secours de lui. Il faut que vous compreniez la compréhension. Oui, non, nous n'avons pas de conseil. Regardez, il voulait tout bagailler. Il voulait tout bagailler. Et puis, il laisse ça chercher pour nous. Faut chercher. Moi, content aujourd'hui, et pour la première fois, dans l'église, pas bon ici. Moi, satisfait. Moi, j'étais content d'Angelo parler de l'église là. Et puis, mais aujourd'hui, moi, j'ai mis l'église là. On a rencontré un pasteur pour la première fois. Mon pays, là. Tout pis fort là qu'on aime pour la première fois. Parce que je m'a habitué dans la zone. Mais je ne vais pas être la bonne personne qui connaît tout. Et de ce fait, moi je viens pour me dire que Marie Aïssa
que Mara et Angelo ont adapté l'autre sous ce véhicule du temps. Allez, c'est temps, notre temps n'a pas adapté. Aujourd'hui est lundi, on s'adapte. Demain sera mardi, on s'adapte encore. Et on s'adapte toute la vie. Amen. Amen. N'a comprendre nous toute la vie, n'a pas adapté nous toute la vie. Et puis là, au grand matin de l'éternité, il y a de bonnes fleurs qui peuvent venir parce qu'on a fait le travail de Dieu. Bon, moi je ne vais pas prêter trop. Moi simplement, à prendre le public là. Fonti Campé applaudit couplement. Alors, tout le monde qui n'a pas dit merci Jésus pour le couple là, que vous tombez dans la terre. Amen. Amen. On nous applaudit Seigneur encore. Troisième monde qui est entré, et l'église avant, je vais vous dire que. C'est vrai, c'est vous-même, tu prends le temps. Les mouais pasteur ou n'est l'homme sorti en bas. Je me dis, est-ce que ça, c'est pasteur Spy? Il dit, c'est pasteur Spy, sous les bordés. Et puis, prends le temps, je suis pasteur ou n'est l'homme sorti en bas, les bons marchés, pasteur Spy. Et puis, il est arrivé là, il fait, pour ça, mais je suis avec un peu l'attention. Mais mon pressentiment, c'est le même d'après l'éducateur de ce jour, mal que je vais tourner. Moi seulement paraît qu'il va aller brûler et puis la côté. Et ils ont pas d'assez de monde. C'est l'homme qu'il faut à la place. Amen, amen. Parce que Smile, je crois que c'est la deuxième fois que je vais avoir les idées de mon projet là. Parce que Smile, sans te cacher, moi je sors tout franchise. Moi et mon pile, mon amour. Amen. D'amour dans le Seigneur. Et moi, nous nouvelle madame. Et moi, nouvelle madame. Regardez ma mère. Bon, mais c'est quoi? N'est-ce pas que vous voulez que vous me bon, passons ça. Vous êtes les mariés, vous comprenez, vous passez ça pour me vider, vous le voyez, 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 le grand jour marque le début d'une suite ininterrompue de moments heureux pour toute la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez ferme, inébranlable, comme vient dit l'apôtre Paul. Soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, mais sachant que votre travail ne sera pas vain dans l'esprit de mon Dieu. Mais, seul bagaille, que mes mariages là. Parce que chaque monde prend le rapport mariage au dernier jour. Car même Jean-Paul dit qu'il faut que nous tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Et moi-même, pour ces questions, c'est comme on prend le barrette. Ce mariage est un privilège. Parce que c'est le même moment. On va céder le micro. Ah oui? Je pense qu'elle avait des choses à dire. Oui, parce que. On a cédé le micro, il y avait envie de dire un bagarre, ou du moins ça, chanter, pas qu'on est, mais il ne pourra jamais assembler donc avec la mélodie, c'est marrant, le micro. Amen. Dieu béni. Amen. Puissance, bon Dieu, avec. Amen. Levez mon cri, alléluia! Alléluia!
Yeah.
Qui ça l'a plus symbolisé?
la bénédiction de Dieu. Qui t'a volé nous comme ça? Qui t'a volé pour ce magas? Qui t'a volé pour ce magas? Puisque Dieu est commune, lui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Qui t'a volé pour ce magas? Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Pas dire une nouvelle. Comment ça sont les liens? Sont les liens qui démolent? Démolent. Applaudis mon Dieu parole. Démolent. Avec ceux qui ont donné la vie. Si lui vous n'avez pas mis une belle. Inquiète ça. Amen.
Amen.